Je me demande même vraiment si nous, les Camerounais, nous voulons le changement. Je me demande vraiment si nous sommes prêts pour le changement. Parce que certains Camerounais continuent à parler à une élection de 2025. Alors que nous tous, nous connaissons déjà le résultat. Le fait de vouloir pousser les Camerounais à aller s'inscrire sur la liste électorale n'est pas une mauvaise chose. Mais est-ce que ça ne serait pas le même résultat que nous avons toujours depuis près de 40 jours derniers? Est-ce que quelque chose va changer? Ce type, on ne le gagne pas dans une élection. Ce type, les Camerounais ou bien notre parti politique ne pourra jamais le gagner dans une élection. Non seulement les élections seront toujours trichées, non seulement il est prêt à mourir au pouvoir ou bien à mettre son fils au pouvoir, ce que vous appelez le gré à gré et toutes ces conneries-là. Il est aussi soutenu par les Occidentaux qui en profitent derrière le Cameroun depuis près de 40 jours derniers. Donc je me demande si les gens réfléchissent même à ça. Vos buts, quel est le but? Le plan derrière ça, c'est quoi? À encourager les Camerounais d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Déjà même au Nouzo, Nord-Ouest et Sud-Ouest, il y a la guerre qui se passe là-bas. Les deux zones-là sont instables, ne sont pas stables. Ces gens-là, ils vont aussi s'inscrire sur les listes électorales, ou bien les qui maintenant sont prêts à aller voter pour un nouveau leader, pour un nouveau dirigeant. Les qui vont le faire. Alors que nous devons réfléchir comment encourager les gens qui entourent ce type. Si on pouvait le sortir, il ne reste qu'un petit cocotard, un petit coq sur sa tête, il va dormir. Le Cameroun sera libre. Même celui qui le lave, il suffit seulement qu'il verse un peu, il jette un peu de savon dans ses yeux et il le sort un petit cocotard. Même celui qui porte même son caleçon, même celui qui change ses couches, il met un peu de piment là, il change avec un peu de piment dedans, ça finit avec lui. Le Cameroun est libre. Vous êtes en train de parler, d'aller vous inscrire. C'est normal que les politiciens, comme le Maurice Kamto, parlent de liste électorale. Mais nous, les Camerounais, maintenant, c'est à nous, maintenant, de réfléchir. Est-ce que nous allons attendre jusqu'à 2025, alors que le vent du changement est présentement en Afrique? Si vous ne réfléchissez pas, voilà ce qui vous réserve. Voilà ce qui vous réserve. Vous allez finir par pleurer dans les pays des autres gens. Vous n'avez pas oublié ce qui s'est passé, ou bien ce qui se passe jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans les pays qui s'en sortent un peu bien comme l'Afrique du Sud, ce qu'ils font là-bas avec les Africains. Vous n'avez pas oublié ce que les Arabes font avec nous chez eux. C'est la même chose que le Mali demande. Le Burkina demain, le Niger demain, même les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, ils vont faire la même chose avec vous, les Camerounais. Et tous, ils vont vous demander d'aller développer votre pays. Ils vont vous demander d'aller chasser votre président. Et tous vont vous poser les questions demain. Restez là, que non, le Cameroun, c'est un pays différent des autres. Nous sommes les intellectuels. Non, le Cameroun, c'est un pays de paix, c'est un pays de démocratie. Nous pouvons que changer les choses par les élections, par une élection. Restez dans vos postulats et vous allez comprendre. Quand le vent là va partir, le vent que Dieu a envoyé là, le vent, l'inspiration que Dieu a envoyé, quand ça va partir, vous allez comprendre. Nous tous, on va continuer à souffrir, à pleurer. Et rien ne va changer. Vous allez vous inscrire sur la liste électorale. En 2025, il y aura le vote. Les gens vont voter. La majorité serait peut-être Maurice Kamto. Il va gagner les élections. Et ça va changer quoi? C'est la première fois qu'on gagne bien dans une élection. La première fois qu'on... Combien de gens sont déjà morts?
À cause de toutes ces élections-là, combien de Camerounais sont déjà morts? Autant de nids ont fondu. Autant la dernière fois que Kamta avait gagné. Combien de gens sont en prison? Ça changeait quoi? Vous avez déjà vu toutes ces communautés qui se disent communautés de human health et tout ça. Vous avez déjà vu quelque part. Depuis que les Africains meurent dans la mer, les Africains meurent partout. Depuis quand la dernière fois, on avait tué près de 500 ou 600 Africains au Maroc. Et quoi, c'était en Tunisie ou au Maroc? Ça allait où? Nulle part. La vie d'un Africain ne compte pas. C'est nous-mêmes. Nous devons prendre nos destins en main. Quittez dans vos conneries là que non, c'est pas les élections, il faut s'inscrire, il faut essayer un pays démocratique. Quittez dans vos conneries là. Maintenant là, il n'y a pas un pays qui a plus besoin d'un coup d'État que le Cameroun. Dans ce monde, à l'heure là, il n'y a pas un pays qui a plus besoin d'un coup d'État, plus que le Cameroun. Si vous ne ressaisissez pas ces chances, vous aurez que vos yeux à pleurer, à bon attendu. Mais c'est Bangaman qui a dit, attendons 2025, nous allons voir si quelque chose va changer. Attendons ce 2025-là, on va voir. Le pouvoir s'arrache. C'est pas au niveau où nous sommes, dans ce stade où nous sommes là, nous pouvons que arracher le pouvoir. Il n'y a pas de choses. C'est là, comme chaque fois que vous parlez de vos listes électorales, ça arrange ceux qui sont au pouvoir là. Les bandits qui sont au pouvoir, les bandits à corps blanc, ça les arrange. C'est de ça, ils prient même que vous continuez dans vos trucs là, que non, inscrivez-vous seulement, on va voir 2025. Ils prient que ça continue comme ça. Vous pensez que jusqu'à 2025, ils seront là, ils ne vont pas mettre les mécanismes sur place. Ils prient que ça reste comme ça. Que vous continuez au lieu d'encourager, au lieu de parler de coups d'État, c'est ça que nous devons encourager l'entourage. Il y a quelqu'un qui peut sortir parmi eux là, que nous sommes en train de voir comme une mauvaise personne, il fait un coup d'État, ça, il devient une autre personne. Est-ce que les gens pouvaient penser que si le général Nguema, ou bien ce général quoi là, au Gabon, est-ce que les gens pouvaient même réfléchir un jour que s'ils prenaient le pouvoir, les discours qu'il tient là, qu'il allait tenir ce genre de discours-là, les gens ne pouvaient même pas imaginer. Ne soyez pas surpris que Gongong prend le pouvoir et devient une autre personne. Ne soyez même pas, si ce n'est pas le nom de Franck Dia. Pourquoi pas lui? Si ce n'est pas son nom et son parcours qui est mauvais, qui démontre déjà que s'il prend le pouvoir, il peut faire la même chose que bien. Sinon, on pouvait même réfléchir sur lui. Donc, les conneries d'aller s'inscrire sur la liste électorale, c'est du pétan. Ce sont les gens qui n'ont pas encore appris les leçons. Avec les blancs, on ne fait pas l'erreur plus de pendant 40 quelque chose, on ne fait pas la même erreur. On réfléchit, on passe à une autre chose. Avec les anglophones, on passe à une autre chose. On ne reste pas que ça va aller. Non, non, non. Soit on laisse comme ça, soit on laisse bien avec sa famille et ils font ce qu'ils veulent avec le Cameroun, ou bien soit on les chasse par la force. Il n'y a pas deux solutions. À bon attendu, salut, c'est Bangaman.